Vous êtes bien à l'écoute de Manolo Mania, c'est bien Manolo lui-même dans vos oreilles. Je pouvais en entendre la Wonton Connection, les méga vedettes de hip-hop chinois avec leur méga hit, le tube King Shaonam, Love Me, Kiss Me, Dance Me, Baby Tonight. Mais tout d'abord, je prends un appel au hasard. Non, ce n'est pas rangé, c'est juste parce que je vous aime. Manolo te parle en direct, allô? Pourrais-tu baisser le volume de ta radio, s'il te plaît? Oh, excuse-moi, Manu. Oh, Manolo, je suis tellement contente d'avoir enfin obtenu la ligne. J'avais quelque chose de super important à dire. Oh, j'ai fait le plus vite que j'ai pu, mon petit minou. C'est rendu que même dans mes rêves, je peux pas être tranquille. Manolo, je sais que t'es là. Manolo te parle en direct, allô? C'est ta nouvelle façon de dire bonjour, ça. Écoute, je voulais juste te dire qu'on va souper un petit peu plus tard aujourd'hui. Marianne et moi, on vient juste de revenir de chez l'orthodontiste. Puis est-ce qu'il lui a dit qu'elle avait pas besoin de broche, que c'était dans sa tête? Oh! Marianne n'est pas de très bonne humeur. Écoute donc, qu'est-ce qu'elle a encore, la demi? Ben, elle va être obligée de porter un appareil orthodontique pour un petit bout de temps. Ah, c'est pas ça qu'elle voulait? Oui. Sauf que là, elle vient de se rendre compte que c'est pas tout à fait une partie de plaisir de porter un appareil. Marianne a des broches? Hey, interdiction formelle de se moquer de Marianne. Ben voyons donc, Vicky. Hey, c'est pas notre genre là, de profiter de la situation pour se venger de toutes les fois où Marianne s'est foutue de notre gueule, là. On ferait jamais ça. Les gauches sérieuses. Fais-toi ça pas, maman. Notre devise va être motus et broche cousue. Vous êtes tellement immature. Des fois, je pense que vous allez rentrer à la garderie en même temps que le bébé. Non, 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 non. Fais-toi ça pas, Vicky, là. Je vais lui parler. Tout là. Là. Hey, c'est tes devoirs, ça? Non. Oui, c'est un devoir plate. Tu veux pas le voir. Ah oui? C'est pour ça que tu le cachais pendant que Vicky était là? C'est sûr que vu comme ça, j'ai l'air de faire quelque chose de croche, mais c'est pas ça. OK, je vais te le dire. Mais non, Manolo, t'es pas obligé de me le dire. Non, hein? Je veux te le dire. Mais tout d'abord, promets-moi que t'en parleras pas aux autres. Promis. Oh non, dis-moi pas que tu veux lâcher la guitare pour te remettre ta cuillère électrique. Je veux animer une émission de radio. Ah ouais, à quel poste? C'est moi, FM. C'est excité. Non, à la radio étudiante. Ah ouais? Puis quel genre d'émission? Surtout musicale. Regarde, j'ai pris des notes. En gros, là, j'ai envie de faire jouer la musique que j'aime puis de donner les nouvelles des groupes que je fais jouer. Ah ben oui, c'est bon. Faudrait juste que tu rajoutes un petit peu de chair autour de l'os, là. Mais quand est-ce que tu présentes ton projet? J'ai rendez-vous demain midi. Mais je suis pas sûr que je vais y aller. Pardon? Mais je serais le plus jeune de la radio étudiante. Les autres ont tous 2-3 ans de plus que moi. Manolo, j'espère que c'est pas ça qui va t'arrêter, là. Une radio, il faut que ça soit à l'image de ses auditeurs, tu comprends? Il y a plein de monde de ton âge qui écoute la radio étudiante et en plus qui ont les mêmes goûts musicaux que toi. Ouais, et puis si ça marche pas? Hey, écoute, ton projet se tient. S'ils voient ce que tu veux faire, ça va marcher. Ils vont pas le voir, ils vont l'entendre. Max, me prêterais-tu ta guitare? Ah! Là, je te reconnais! Tu dis rien, hein? Hey. Incroyable, mais vrai. Il est 7h05, puis Manolo, en plus d'être debout, a l'air de bonne humeur. Bon matin. Bon matin, mademoiselle. Oh! Puis en plus, il me répond. Ça le fait, Stéphane, à chaque fois que je suis bonne humeur, je vais arrêter ça tout de suite. Bon, qui veut manger des œufs? Faites vos choix. Au plat, au miroir, crevé, brouillé, poché dans le sirop d'érable ou en omelette. Oui, oui, tout. Pour Max, ça va être les yeux brouillés. Tournez pour moi. Ah ouais, toi, vas-tu les prendre pochés? T'es habitué là-dedans? Ben baveux pour moi. Oui. Bon, hier soir, Marianne a passé la soirée enfermée dans sa chambre. Allez-y, mollo. Marianne, l'orthodontiste a été formel. Si tu portes pas ton appareil, tu vas empirer ton cas au lieu de l'améliorer. Oh, oh, oh. Les gars vont être très gentils. Hein, les gars? Jette-les pas. Pourquoi? Mais pourquoi tu penses que je fais des œufs pour tout le monde ce matin? Parce que t'es fine. Non. C'est pour mon atelier sur la récupération. Est-ce que vous savez qu'avec une coquille d'œuf, on peut faire de la colle? Non. Faire de la colle avec des œufs, c'est pas un peu broche à foin, ça, Magali?
Ouais, mais moi, je trouve ça bien original, hein? Tu devrais écrire une brochure là-dessus. Il me semble que ce serait le fun de manger des brochettes ce soir. Ou du brochet. On pourrait inviter Claude Brochet. Vous êtes vraiment sien. Marianne a un problème, là. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oh, un instant, là. Si elle avait un réel problème, là, je rirais pas. Mais elle s'est rendue compte qu'une de ses dents avait un angle de 2 degrés trop prononcé. Depuis ce temps-là, elle dort plus. Mais tu sais, elle a pas les dents croches, là. Hey, ils sont super crosses. Puis c'est pas des brosses, hein. C'est un appareil orthodontique. Ah, oh, j'ai pas trouvé de jeu de mots avec appareil orthodontique. Bon. Qui va venir à mon atelier ce midi? Je vais être là. Hey, la radio étudiante. Pas là, je veux dire, je serai pas là. Ah, c'est vrai, hein, c'est ce midi que le père de Mathieu donne sa conférence. T'avais Zurich crassé à Mathieu que tu irais. J'étais là. Mais là, je peux pas parler de la radio étudiante parce que si jamais ça marche pas, Marianne va me niaiser. C'était pas vraiment une promesse. Manolo. Une promesse, c'est une promesse. Si Mathieu t'a demandé de promettre, c'est parce qu'il tenait à ce que tu sois là. Tu voulais pas être là, il fallait pas promettre. Je vais être là, je te le promets. Épais. Il est peut-être au secrétariat? Aurais-tu vu mon père? Mais là, je comprends pas qu'il soit pas là. Je lui ai laissé 3 messages. Bon, je reviens. Non, reste ici, là. Je vais y aller. Je cherche peut-être la bibliothèque. Hey! Si j'étais paranoïaque, là, je dirais que tu me fuis. Tu m'embrasses pas? Qu'est-ce qu'il y a, Marianne? Mais là, tu réponds pas. Allô? Quoi? Là, t'as fait une indigestion à cause du passé sinon que t'as mangé chez nous hier. T'as des broches? Oh, un appareil orthodontique. Non, puis j'ai pas envie de rire. Ah, t'es méchante, Annabelle. Non, je peux pas poser les questions pour gamine. Là. Comment tu veux que je dise si j'ai honte? Annabelle! Ah! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle vomit. Ah, non, laisse faire, là. T'as pas besoin de venir. Non, c'est beau, là, je viens juste de trouver une solution. C'est ça, bye. Marianne, t'aurais pu me le dire, là, que t'allais porter un appareil orthodontique. Pour que tu me ris en pleine face, là, comme tu viens juste de faire, ou... Là, j'ai pas ri. Je suis capable, j'ai confiance en moi. Hey, dis-moi rien. T'as joué une partie de tag gelée puis t'as perdu. Très drôle. Écoute, Max, as-tu pris ta douche ce matin? Hey, c'est pas moi, là. C'est le bac de compostage. Ça, c'est Magali. Il l'a oublié au bord de la porte ce matin. Une chance que je m'en suis rendu compte. Est-ce que je fais la bonne affaire, Max? Quoi, de rester planté à côté de ton casier? J'ai peur de me planter avec ma cassette. T'as fait une cassette? Ben, hier soir, j'ai enregistré une émission là, avec les chansons puis ma voix. Ah ouais? Puis pourquoi tu m'as emprunté ma guitare? Ben, c'était pour composer un thème musical, là, pour mon émission. Hein? Je l'ai enregistré aussi, écoute. Salut tout le monde, vous écoutez Manolo Mania sur les ondes de la radio étudiante. On passe tout de suite à la musique avec le dernier single extrait de l'album. Ben, c'est poche, ma voix est bien trop fatigante et personne ne va être capable de supporter ça. Hey, c'est super bon. Ta voix sort bien, même si c'est une enregistreuse cacane, là. Hey, faut pas que tu te décourages juste parce que t'as peur, là. J'ai vraiment la chienne. Ça, c'est un stress normal. Ça, c'est un stress qui va t'aider à te concentrer. Tu comprends? Il faut que tu t'en sers de ce stress-là. OK. Bon, mais je veux pas que tu fasses ça pour moi. Tu comprends? Je veux que tu fasses ça pour toi. Deal. Parfait. Faut que j'aille porter ça à Magali, là. Merde pour ton émission. C'est ça que ça sent. Manolo. Oh, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Est-ce que t'as vu Daniel? Non, mais j'ai vu Max avec ton bac de compostage. Non, lui, j'avais laissé à côté de la porte parce que ça sentait mauvais. C'est vrai qu'il pue pas mal. En tout cas, là, mon atelier commence à 1h30, penses-tu venir? C'est Yann, le responsable de la radio étudiante, il faut pas qu'il vienne me parler. Oh mon Dieu, Daniel, en parlant du loup, Daniel! Merci, Daniel. Attends-moi, Yann. Marianne, j'ai pas ri, je te jure.
Et le héros du jour est arrivé! Ah, phew! J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose. Allô, Mathieu. Allô, Marianne. Bon, bien, tu peux t'installer ici. Ouais, ben alors, relax, Mathieu. Pour une fois que j'ai 20 minutes d'avance... C'est parce que ta présentation était supposée commencer à midi. Moi, c'est pour ça que je t'avais demandé d'arriver à 11h30. Mais non, non, Mathieu, ça se fait pas, c'est impossible. Je l'écris dans mon agenda. Je arrive ici à midi et demi. Remarque, j'ai peut-être pas été assez clair. Ben, moi, je pensais pour assister au début de l'exposé, mais là, il faut que j'aie préparé mon atelier. Mais je vais essayer d'attraper la fin. Ben, écoute, c'est moi qui suis désolé. On se reprend. Okay. Bon. Salut tout le monde. Bon midi. Dans le cadre de la semaine de l'environnement, il me fait plaisir de vous présenter mon père, Daniel Léger, qui est un explorateur qui a peur de rien et qui va nous parler de son métier d'océanographe. Bon. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci à Mathieu d'avoir pensé à m'inviter. Oublie pas les requins blancs, hein? Non, 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 mais c'est sûr. C'est eux qui m'oublieront pas, hein? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'océanographe, on est souvent confronté à des espèces marines pas toujours amicales, comme les requins blancs. Et concrètement, là, est-ce que ça veut dire que tu frôles la mort à tous les jours? Non, 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 non. Bon, regardez bien, là. C'est sûr qu'en Australie méridionale, il y a des êtres humains qui ont été dévorés et tués par des requins blancs. Mais moi, je pense pas à ça tous les jours avant de plonger, là. D'ailleurs, moi, je préférerais mourir dévoré par un requin blanc en Australie qu'écrasé par un camion à vidange dans une ruelle. Hein? Le paysage est plus intéressant, puis l'odeur aussi. C'est sûr qu'un calmar de 60 mètres, ça fait peur, hein? Hé, hey, oh, oh, Mathieu, non, non, non. Le plus gros calmar qu'on a repêché mesurait 14 mètres. Oui, mais est-ce que c'est possible qu'il y en ait des plus gros? C'est pas impossible, Mathieu. Bon, alors, dernière question. Marianne? Ma question, c'est pour mon magazine Gamine. Mm-hmm. Pourquoi avez-vous choisi les sèches géantes comme sujet de recherche au lieu de, je sais pas moi, les chimpanzés, par exemple? Ben d'abord parce que je suis océanographe et non pas zoologiste, donc je m'intéresse exclusivement aux créatures marines. Mais je dois vous dire que des fois, j'ai l'impression que c'est les sèches qui m'ont choisi plutôt que le contraire, parce que c'est la première espèce que j'ai eue à observer. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ben écoutez, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez été vraiment très attentif. C'était une belle participation. C'était un programme un avant-midi, hein? Tes J sont très merci clairs. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu assister à ton exposé, là. Mais est-ce que vous voudriez venir souper à la maison tous les deux ce soir? Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Hmm? Ben, écoute, je trouve que c'est une excellente idée. Moi, j'ai pas d'avion à prendre. Ah! Cool! Ouais. Marianne. Je vais attendre tes nouvelles pour mon émission. Ciao. Dans 108 ans. T'as manqué un bon atelier, mais non, hein? T'étais pas là à la conférence de Daniel non plus. Oui, j'étais là. Oui. Mais là, c'est parce que je suis arrivée 2 minutes avant la fin et t'étais pas là. Ben, on a dû se croiser, hein? Je suis partie 5 minutes avant la fin. Ah ouais? C'était-tu bon à la conférence? C'était très bon. As-tu appris des choses? Ben, plein d'affaires. Comme? Ben, tu sais, une demi-heure, c'est tellement court, il y a encore plein d'affaires que j'aimerais savoir. J'ai plus de questions que de réponses. Hey, ça, c'est une de mes bonnes. Ça tombe bien, mon vieux, parce que justement, j'ai invité Daniel à souper ce soir, tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux! Ça veut dire que je vais être obligée de mentir toute la soirée? Bonsoir, Daniel, et bienvenue à la grande finale du championnat international mensonge poids plume. Alors, bonsoir, Victoria, sans plus tarder, le nom du prochain menteur. Il s'agit de Manolo Laporte Carpentier, mon fils. Alors, Manolo, fais-nous un résumé de l'exposé de Daniel. C'est intéressant qu'il parle de son métier. Oh, mauvaise pente. J'ai pas très bien écouté. Argument prévisible. Je m'en rappelle plus. Oh, chute faible. Oh. Ouais. Oh! Ah. Ça, c'est si ma mère est de bonne humeur. À ce soir, Mano, hein? Ouais, ce soir. Mais je te rejoins tout de suite. Puis, comment ça a été? Bien, je pense. Ben, est-ce qu'ils vont te prendre? Ben, ils vont m'appeler. Ben, est-ce que c'est positif?
Je sais pas, là. Je suis resté trois quarts d'heure avec eux autres dans le local. Là. Ils voulaient écouter ma cassette au complet. Puis tu te demandes si c'est positif. Oui, au Mano, ils auraient pas perdu leur heure de dîner s'ils étaient pas intéressés. Bon, OK. Qu'est-ce que tu vas dire au souper ce soir? Je vais trouver. Dans ce cas-ci, la vérité ferait plaisir à tout le monde, hein? Puis si ça marche pas, de quoi je vais avoir l'air? Tu vas avoir l'air plus intelligent que ce que t'as eu de l'air dans Magali, là. Max! Faut que j'y aille, ma femme m'appelle! Écoute, parle-en à Vicky au moins, OK? OK, salut! Max, pas touche au souper. Non, je suis désolée d'être en retard pour le souper. Ça a été plus long que prévu, fermé dehors avec Chloé. Est-ce que je peux aller manger dans ma chambre? T'as rien manqué, Manolo? Daniel n'est pas encore arrivé. Hein? Bon, conte-nous donc comment ça s'est passé, son exposé, ce midi. Ah! Oh, j'y vais! T'étais même pas là. J'étais dans le fond de la bibliothèque. Impossible, c'est là que j'étais. Tu m'as sûrement pas vu. C'est parce que j'étais là. Excusez-moi, je suis vraiment désolé pour mon retard, mais je tenais absolument à avoir des photos de l'Australie pour vous montrer ce soir. Hey, as-tu celle de la morsure de la pieuvre? De la morsure de sèche géante. D'ailleurs, parlant de sèche géante, il y a une blague qui circule dans notre milieu. Elle fait que les sèches géantes étaient tellement tannées de se faire faire des prélèvements qu'un jour, elles se sont révoltées. Elles ont fait leur premier prélèvement humain. Ça a été moins chanceux. Tu sais, la Jeep cabossée? Oui, ben oui, je l'ai. Ouais, ah. Selon vous, là, quel animal a pu faire ça? Un kangourou. C'est ça. C'est exactement ça, Manolo. À la nuit tombée, il y a des centaines de kangourous qui se précipitent sur les routes, alors ça devient difficile de les éviter. Ah oui! Hey, ce soir, à nuit d'horreur, The Kangaroos! Bon, ben, lasagne aux fruits de mer. Ah, ben oui. Assieds-toi, Oui, merci. Mais Daniel, ça doit être la belle vie, hein, être océanographe. Surtout en Australie, parce que tu peux voir des poissons dans l'eau chaude, c'est ça? Ah, non, moi, dans la baie où je fais mes études, l'eau vient de l'Antarctique, alors... Ouais, puis plonger à 40 mètres de profondeur, là, avec 30 requins autour de toi, là, c'est pas ce que j'appelle la belle vie, hein, Mathieu, pas? 40 mètres, c'est en Afrique. En Australie, c'est à 4 mètres, mais quand même avec une soixantaine de requins alentour. D'ailleurs, une petite colle, là, pour voir si vous vous souvenez de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Pourquoi, lorsqu'on plonge à 40 mètres, il est difficile et dangereux de remonter rapidement à la surface? Manolo? Ben là, il n'y a pas juste moi, Marianne aussi peut répondre. À moins que l'orthodontiste se soit trompé et qu'il ait broché les mâchoires ensemble. T'es tellement con. Non! Qu'est-ce qu'elle a, là? Elle voulait pas que tu saches qu'elle a un appareil. Là. C'est important pour elle. Ben là, écoutez, je vais aller lui parler. Hey, je parlais un petit peu de la reine en entrée. Oui, allô? Oui, c'est moi. Attends un petit peu, il y a un peu trop de bruit ici. Marianne? Je suis pas là! Marianne? Papa, c'est pas là. Ah! Ah! Quoi? Hey, papa, qu'est-ce que... Ça va? Fausse alerte! Ah, qu'est-ce qui arrive? Non, ce qui arrive, va me chercher une des barbiettes humides, s'il te plaît, OK? Et oui, tantôt, je pensais que c'était les dents de la mer qui avaient attaqué Daniel. Max? As-tu entendu quelque chose, Magali? Qu'est-ce qui se passe avec Manolo? Manolo, ça me dit quelque chose. Manolo, Vicky, c'est pas le fils que t'as eu avec un barman amateur de plein air, ça? Manolo est vraiment pas dans son état normal, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu sais quelque chose que je sais pas. Ben, moi, je trouve qu'il se rend mieux de Manolo. Hein? Qu'il se rend meilleur d'ise. Ce qui est pas le cas de ton français. Max, s'il te plaît. Mais là, Vicky, je peux pas rien dire parce que j'ai promis à Manolo que je dirais rien. Je suis inquiète. Et puis, l'inquiétude d'une mère, ça peut être très puissant. Magali dit qu'elle arrête de me torturer, là. Non, Vicky, je peux pas rien dire, mais je te jure que c'est pas malhonnête même que tu serais contente de le savoir. Je connais Victorien sur le point de craquer. Oui, mais là, donne-moi un indice que je sache à quoi m'attendre. Vicky, si je brise ma promesse, Manolo me fera plus jamais confiance. Viens avec moi. Viens. Si t'appelais Madame Derry, la voisine, comme ça, par hasard, là, ben, tu saurais tout et moi, j'aurais pas besoin de briser ma promesse. Oh, ben, Maxime Boucher, il est pas question que je me mette à espionner mon fils aujourd'hui. Ah oui, ce serait tellement plus simple, puis... Attends. En plus, il parle de ça. Ben, il en est pas question. Pourrais-je approcher, s'il vous plaît? Excuse-moi, Manolo. Oh, franchement. On dirait même pas que tu t'en fais pour lui. On dirait que tu t'en fais pour toi.
C'est pas vrai. Il faudrait pas que le monde sache ça. Mon père, mon héros, est tombé dans les pommes en voyant un serpent. Ben, c'est pas à cause d'un microbe, là. Voyons donc, ça se peut pas. Puis qu'est-ce que t'as, là? T'es bien bête. Tu t'es pas vu aujourd'hui à la conférence. C'est juste que va falloir que tu réalises un jour qu'il est pas parfait, ton père. Non, t'as raison, loin de là. Parce que moi, si tu vois des gens avec seulement des qualités, je trouve ça un petit peu plate. D'ailleurs, toi, c'est quoi ton problème? Zézayer un petit peu, c'est rien quand on est si belle, pleine d'énergie et de créativité comme toi. Je pense que j'ai compris le message. J'aurais pas dû essayer de cacher que je portais des brosses. Même que je dirais que t'es chanceuse. Chanceuse? Oui, parce que tu vois ton appareil orthodontique, tu vas l'avoir seulement pendant une petite période de temps. Alors que moi, ma peur des serpents, je l'ai depuis que je suis tout petit. Puis je vais l'avoir toute ma vie. C'est vraiment à cause du serpent que t'as perdu connaissance? Eh bien oui, tu vois Daniel Léger, le grand océanographe émérite qui nage parmi les requins blancs, qui déjoue les calmars géants, a une peur bleue des serpents. Tu me décevras? Bon, ben, moi aussi, je pense que j'ai compris ma leçon. Hein. Est-ce que j'étais vraiment si fatiguant que ça pendant la conférence? C'était pas de ma faute. Ouais, c'est la faute de Max, je suppose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rien dit, je te le jure. Même si j'ai posé des questions. Puis pour le téléphone, ben, ça a l'air bizarre, là, mais c'était pas intentionnel. Mais persécution! C'était une conversation privée. C'est vrai. Puis peu importe ce que c'est, ça te donnait pas le droit, par exemple, de mentir puis de faillir à ta promesse. Quoi? T'étais pas à l'exposé de Daniel, Manolo. Personne t'a vu. Tu m'as menti, pis t'as pas tenu la promesse que t'avais faite à ton cousin. Hey, depuis le temps, je devrais savoir que ça marche jamais quand j'essaie de mentir. T'as gagné, j'ai perdu. C'est pas une compétition. Je vais te dire où j'étais ce midi. Ça va pas à l'école? Non, c'est pas ça. Ce midi, j'étais en réunion avec le comité de la radio étudiante, là. J'ai présenté un projet d'émission. Puis, mon projet a été accepté. Oh! Oh, ben bravo, Manolo! Oh, je suis vraiment contente! Oh! Hey! Ça va? Hey, t'es au courant, puis ça marche, mon projet. OK! Oh, parfait! J'aurais plus besoin de garder ça pour moi. Oh, ouais! Ah, ben écoute, justement, j'avais apporté la cassette de mon groupe. Ben, tu sais, je me disais que tu pourrais peut-être la faire jouer dans ton émission, hein? C'est une bonne idée, ça? Bon, ben, écoutez, les gars, la lasagne va refroidir, hein? Donc, qu'est-ce que t'as dit à ma mère, toi? J'ai rien dit, je te le jure, j'ai rien dit! Écoute, je l'ai juste incité à prendre le téléphone, comme ça, par hasard! Franchement, Max! Oui, mais je suis désolé, Manolo, des fois, on dirait que ma bouche et mon cerveau fonctionnent pas à la même vitesse. C'est que, écoute, j'étais très, très fier de toi. Et je voulais pas que Victoria pense que t'avais un devoir en retard ou une retenue. Ben, tu sais, je la connais, ma mère, hein? Puis quand elle se met à insister, c'est comme un bulldozer. C'est déjà beau que t'aies résisté aussi longtemps. OK, t'es pas fâché, là? Ben non. Ah! Oh. Puis ma cassette, est-ce que tu vas la faire jouer? Je vais y penser. OK. Je vais y penser. Hé, microbe, veux-tu un peu de lasagne? Ben, premier rendu! Calmar géant a une peur bleue des serpents. Tu me décevras? Bon, ben, moi aussi, je pense que j'ai compris ma leçon. Hein. Est-ce que j'étais vraiment si fatiguant que ça pendant la conférence? Manolo, je m'excuse, mais c'était pas de ma faute. Ouais, c'est la faute de Max, je suppose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rien dit, je te le jure. Même si j'ai posé des questions.
Puis pour le téléphone, ben, ça a l'air bizarre, là, mais c'était pas intentionnel. Mais persécution! C'était une conversation privée. C'est vrai. Puis peu importe ce que c'est, ça te donnait pas le droit, par exemple, de mentir puis de faillir à ta promesse. Quoi? T'étais pas à l'exposé de Daniel, Manolo. Personne t'a vu. Tu m'as menti, puis t'as pas tenu la promesse que t'avais faite à ton cousin. Et depuis le temps, je devrais savoir que ça marche jamais quand j'essaie de mentir. T'as gagné, j'ai perdu. C'est pas une compétition. Je vais te dire où j'étais ce midi. Ça va pas à l'école? Non, c'est pas ça. Ce midi, j'étais en réunion avec le comité de la radio étudiante. Là, j'ai présenté un projet d'émission. Oh. Puis, mon projet a été accepté. Oh! Oh, ben bravo, Manolo! Oh, je suis vraiment contente! Oh! Hey! Ça va? Être au courant, puis ça marche, mon projet. OK, oh, parfait, j'aurais plus besoin de garder ça pour moi. Oh, ouais! Ah, ben, écoute, justement, j'avais apporté la cassette de mon groupe. Ben, tu sais, je me disais que tu pourrais peut-être la faire jouer dans ton émission, hein? C'est une bonne idée, ça. Bon, ben, écoutez, les gars, la lasagne va refroidir, hein? Donc, qu'est-ce que t'as dit à ma mère, toi? J'ai rien dit, je te le jure, j'ai rien dit! Écoute, je l'ai juste incité à prendre le téléphone, comme ça, par hasard! Franchement, Max! Oui, mais je suis désolé, Manolo, des fois, on dirait que ma bouche et mon cerveau fonctionnent pas à même vitesse. C'est que, écoute, j'étais très, très fier de toi. Et je voulais pas que Victoria pense que t'avais un devoir en retard ou une retenue. Tu sais, je la connais, ma mère, hein? Puis quand elle se met à insister, c'est comme un bulldozer. C'est déjà beau que t'aies résisté aussi longtemps. OK, t'es pas fâché, là? Ben non. Ah! Puis ma cassette, est-ce que tu vas la faire jouer? Je vais y penser. Okay. Je vais y penser. Hé, Microbe, veux-tu un peu de lasagne? Ben, premier rendu! Laisse faire, là. T'as pas besoin de venir. Non. C'est beau, là. Je viens juste de trouver une solution. C'est ça. Bye. Marianne, t'aurais pu me le dire, là, que t'allais porter un appareil orthodontique. Pour que tu me ris en pleine face, là, comme tu viens juste de faire, ou... Là, je vais pas... J'ai pas ri. Je suis capable. J'ai confiance en moi. Hey, dis-moi rien. T'as joué une partie de tag gelée, puis t'as perdu. Très drôle. Putain, Max, as-tu pris ta douche ce matin? Hey, c'est pas moi, là. C'est le bac de compostage. Ça, c'est Magali. Il l'a oublié au bord de la porte ce matin. Une chance que je m'en suis rendu compte. Est-ce que je fais la bonne affaire, Max? Quoi, de rester planté à côté de ton casier? J'ai peur de me planter avec ma cassette. T'as fait une cassette? Ben, hier soir, j'ai enregistré une émission, là, avec les chansons puis ma voix. Ah ouais? Puis pourquoi tu m'as emprunté ma guitare? Ben, c'était pour composer un thème musical, là, pour mon émission. Hein? Je l'ai enregistré aussi, écoute. Salut tout le monde, vous écoutez Manolo Mania sur les ondes de la radio étudiant. On passe tout de suite à musique avec le dernier single extrait de l'album Listen. Ben, c'est poche, ma voix est bien trop fatigante et personne ne va être capable de supporter ça. Hey, c'est super bon. Ta voix sort bien, même si c'est une enregistreuse cacane, là. Hey! Faut pas que tu te décourages juste parce que t'as peur, là. J'ai vraiment la chienne. Ah, mais. Ah ah! Ça, c'est un stress normal! Ça, c'est un stress qui va t'aider à te concentrer. Tu comprends? Il faut que tu t'en serves de ce stress-là. OK. Bon, mais je veux pas que tu fasses ça pour moi. Tu comprends? Je veux que tu fasses ça pour toi. Deal? Deal. Parfait. Faut que porter ça à Magali, là. Merde pour ton émission! C'est ça que ça sent. Manolo! Oh, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Est-ce que t'as vu Daniel? Non, mais j'ai vu Max avec ton bac de compostage. Hein? Non, lui, j'avais laissé à côté de la porte parce que ça sentait mauvais. C'est vrai qu'il pue pas mal. En tout cas, là, mon atelier commence à 1h30, penses-tu venir? C'est Yann, le responsable de la radio étudiante. Il faut pas qu'il vienne me parler. Oh mon Dieu, Daniel, en parlant du loup, Daniel! Merci, Daniel. Attends-moi, Yann. Marianne, j'ai pas ri, je te jure. Et le héros du jour est arrivé! Ah, phew! J'avais
J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Allô, Mathieu. Allô, Marianne. Bon, bien, tu peux t'installer ici. Hmm? Ouais, ben là, relax, Mathieu. Hmm? Pour une fois que j'ai 20 minutes d'avance... C'est parce que ta présentation était supposée commencer à midi. Moi, c'est pour ça que je t'avais demandé d'arriver à 11h30. Mais non, non, Mathieu, ça se fait pas, c'est impossible. Je l'écris dans mon agenda. Je arrive ici à 12h30. Quoi? Là, t'es fait une indigestion à cause du passé sinon que t'as mangé chez nous hier. T'as des broches? Oh, un appareil orthodontique. Non, puis j'ai pas envie de rire. Ah, t'es méchante, Annabelle. Non, non, je peux pas poser les questions pour gamine. Là, comment tu veux que je dise si j'ai honte? Annabelle! Ah! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle vomit. Okay. Hein? Non, non, laisse faire, là. T'as pas besoin de venir. Non. C'est beau, là, je viens juste de trouver une solution. C'est ça. Bye. Marianne, t'aurais pu me le dire, là, que t'allais porter un appareil orthodontique. Pour que tu me ries en pleine face, là, comme tu viens juste de faire, ou... Là, je vais pas... J'ai pas ri. Je suis capable, j'ai confiance en moi. Ah! Hey! Dis-moi rien. T'as joué une partie de tag gelé, puis t'as perdu. Très drôle. Écoute, Max, as-tu pris ta douche ce matin? Hey, c'est pas moi, là. C'est le bac de compostage. Ça, c'est Magali. Il l'a oublié au bord de la porte ce matin. Une chance que je m'en suis rendu compte. Est-ce que je fais la bonne affaire, Max? Quoi, de rester planté à côté de ton casier? J'ai peur de me planter avec ma cassette. T'as fait une cassette? Ben, hier soir, j'ai enregistré une émission, là, avec les chansons puis ma voix. Ah ouais? Puis pourquoi tu m'as emprunté ma guitare? Ben, c'était pour composer un thème musical, là, pour mon émission. Hein? Je l'ai enregistré aussi, écoute. Salut tout le monde, vous écoutez Manolomania sur les ondes de la radio Étudiant. On passe tout de suite à musique avec le dernier single extrait de l'album Listen. Ben, c'est poche, ma voix est bien trop fatigante et personne ne va être capable de supporter ça. Hey, c'est super bon. Ta voix sort bien, même si c'est une enregistreuse cacane, là. Hey, faut pas que tu te décourages juste parce que t'as peur, là. J'ai vraiment la chienne. Ah, mais, aha, ça, c'est un stress normal. Ça, c'est un stress qui va t'aider à te concentrer. Tu comprends? Il faut que tu t'en serves de ce stress-là. OK. Bon, mais je veux pas que tu fasses ça pour moi. Tu comprends? Je veux que tu fasses ça pour toi. Deal? Deal. Parfait. Faut que j'aille porter ça à Magali, là. Merde pour ton émission. C'est ça que ça sent. Manolo. Oh, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Est-ce que t'as vu Daniel? Non, mais j'ai vu Max avec ton bac de compostage. Hein? Non, lui, j'avais laissé à côté de la porte parce que ça sentait mauvais. C'est vrai qu'il pue pas mal. En tout cas, là, mon atelier commence à 1h30, penses-tu venir? C'est Yann, le responsable de la radio étudiante. Il faut pas qu'il vienne me parler. Oh mon Dieu, Daniel, en parlant du loup, Daniel! Merci, Daniel. Attends-moi, Yann. Marianne, j'ai pas ri, je te jure. Et le héros du jour est arrivé! Manolo, je m'excuse, mais c'était pas de ma faute. Ouais, c'est la faute de Max, je suppose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rien dit, je te le jure, même si j'ai posé des questions. Puis pour le téléphone, ben, ça a l'air bizarre, là, mais c'était pas intentionnel. Mais persécution! C'était une conversation privée. C'est vrai. Puis peu importe ce que c'est, ça te donnait pas le droit, par exemple, de mentir puis de faillir à ta promesse. Quoi? T'étais pas à l'exposé de Daniel, Manolo. Personne t'a vu. Tu m'as menti, puis t'as pas tenu la promesse que t'avais faite à ton cousin. Et depuis le temps, je devrais savoir que ça marche jamais quand j'essaie de mentir. T'as gagné, j'ai perdu. C'est pas une compétition. Je vais te le dire où j'étais ce midi. Ça va pas à l'école? Non, c'est pas ça. Ce midi, j'étais en réunion avec le comité de la radio étudiante, là. J'ai présenté un projet d'émission. Oh. Puis, mon projet a été accepté. Oh! Oh, ben bravo, Manolo! Oh, je suis vraiment contente! Oh! Hey! Ça va? Hey, t'es au courant, puis ça marche, mon projet. OK, oh, parfait, j'aurais plus besoin de garder ça pour moi. Oh, ouais! Ah, ben, écoute, justement, j'avais apporté la cassette de mon groupe. Ben, tu sais, je me disais que tu pourrais peut-être la faire jouer dans ton émission, hein? C'est une bonne idée, ça.
Bon, ben, écoutez, les gars, la lasagne va refroidir, hein? Donc, qu'est-ce que t'as dit à ma mère, toi? J'ai rien dit, je te le jure, j'ai rien dit. Écoute, je l'ai juste incité à prendre le téléphone, comme ça, par hasard. Franchement, Max. Oui, mais je suis désolé, Manolo. Des fois, on dirait que ma bouche et mon cerveau fonctionnent pas à la même vitesse. C'est que, écoute, j'étais très, très fier de toi. Et je voulais pas que Victoria pense que t'avais un devoir en retard ou une retenue. Tu sais, je la connais, ma mère, hein? Puis quand elle se met à insister, c'est comme un bulldozer. C'est déjà beau que t'aies résisté aussi longtemps. OK, t'es pas fâché, là? Ben non. Ah! Puis ma cassette, est-ce que tu vas la faire jouer? Je vais y penser. OK. Tu vas y penser. Hé, Microbe, veux-tu un peu de lasagne? Ben, premier rendu! Assieds-toi, oui, assieds-toi. Merci, merci. Mais Daniel, ça doit être la belle vie, hein, être océanographe. Surtout en Australie, parce que tu peux voir des poissons dans l'eau chaude, c'est ça? Ah, non, non, moi, dans la baie où je fais mes études, l'eau vient de l'Antarctique, alors... Ouais, puis plonger à 40 mètres de profondeur, là, avec 30 requins autour de toi, là, c'est pas ce que j'appelle la belle vie, hein, Mathieu, 40 mètres, c'est en Afrique. Non, en Australie, c'est à 4 mètres, mais quand même avec une soixantaine de requins alentour. Ah, d'ailleurs, une petite colle, là, pour voir si vous vous souvenez de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Pourquoi, lorsqu'on plonge à 40 mètres, il est difficile et dangereux de remonter rapidement à la surface? Ah. Manolo? Mais là, il n'y a pas juste moi. Marianne aussi peut répondre. À moins que l'orthodontiste se soit trompé et qu'il t'ait broché les mâchoires ensemble. T'es tellement con. Comment? Qu'est-ce qu'elle a, là? Elle voulait pas que tu saches qu'elle a un appareil, là. C'est important pour elle. Mais là, écoutez, je vais aller lui parler. Hey, je parle de la lasagne en entrée. Oui, allô? Oui, c'est moi. Attends un petit peu, il y a un peu trop de bruit ici. Marianne? C'est pas là! Marianne? Papa, c'est pas là, là. Ah! Ah! Quoi? Hé, hey, hey, papa, qu'est-ce que... Ça va? Ah! Ça va? Oui, fausse alerte! Qu'est-ce qui arrive? Non, non, ce qui arrive, va me chercher une des barbiettes humides, s'il te plaît, OK? Et oui, tantôt, je pensais que c'était les dents de la mère qui avaient attaqué Daniel. Max? As-tu entendu quelque chose, Magali? Qu'est-ce qui se passe avec Manolo? Manolo, ça me dit quelque chose, ça, Manolo. Ah, Vicky, c'est pas le fils que t'as eu avec un barman amateur de plein air, ça? Manolo est vraiment pas dans son état normal, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu sais quelque chose que je sais pas. Ben, moi, je trouve qu'il se rend mieux de Manolo. Hein? Qu'il se rend meilleur d'ise. Ce qui est pas le cas de ton français. Max, s'il te plaît. Mais non, Vicky, je peux pas rien dire parce que j'ai promis à Manolo que je dirais rien. Je suis inquiète. Et puis, l'inquiétude d'une mère, ça peut être très puissant. Magali dit qu'elle arrête de me torturer, là. Non, Vicky, je peux pas rien dire, mais je te jure que c'est pas malhonnête, même que tu serais contente de le savoir. Je connais Victoria sur le point de craquer. Ben oui, mais là, donne-moi un indice que je sache à quoi m'attendre. Vicky, si je brise ma promesse, Manolo me fera plus jamais confiance. Viens! Viens avec moi! Viens! Si t'appelais Madame Derry, la voisine, comme ça, par hasard, là, ben, tu saurais tout et moi, j'aurais pas besoin de briser ma promesse. Ah, oh, ben, Maxime Boucher, il est pas question que je me mette à espionner mon fils aujourd'hui. Ah oui, ce serait tellement plus simple, puis... Attends. En plus, il parle de ça. Ben, il en est pas question. Pouvez-vous s'il vous plaît? Excuse-moi, il faut que tu t'en serves de ce stress-là. OK. Bon, mais je veux pas que tu fasses ça pour moi. Tu comprends? Je veux que tu fasses ça pour toi. Deal? Deal. Parfait. Faut que j'aille porter ça à Magali, là. Merde pour ton émission! C'est ça que ça sent. Manolo! Oh, j'avais oublié cette partie-là de l'histoire. Est-ce que t'as vu Daniel? Non, mais j'ai vu Max avec ton bac de compostage. Hein? Non, mais non, lui, j'avais laissé à côté de la porte parce que ça sentait mauvais. C'est vrai qu'il pue pas mal. En tout cas, là, mon atelier commence à être mis, penses-tu venir?
C'est Yann, le responsable de la radio étudiante. Il faut pas qu'il vienne me parler. Oh mon Dieu, Daniel, en parlant du loup, Daniel! Merci, Daniel. Attends-moi, Yann. Marianne, j'ai pas ri, je te jure. Et le héros du jour est arrivé! Phew! J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose. Allô, Mathieu. Allô, Marianne. Bon, bien, tu peux t'installer ici. Hmm? Ouais, ben alors, relax, Mathieu. Hmm? Pour une fois que j'ai 20 minutes d'avance... C'est parce que ta présentation était supposée commencer à midi. Moi, c'est pour ça que je t'avais demandé d'arriver à 11h30. Mais non, non, Mathieu, ça se fait pas, c'est impossible. Je l'écris dans mon agenda. Je arrive ici à 12h30. Remarque, j'ai peut-être pas été assez clair. Ben, moi, je pensais pour assister au début de l'exposé, mais là, il faut que j'aie préparé mon atelier. Mais je vais essayer d'attraper la fin. Ben, écoute, c'est moi qui suis désolé. On se reprend. Okay. Hmm? Bon. Salut tout le monde. Bon midi. Dans le cadre de la semaine de l'environnement, il me fait plaisir de vous présenter mon père, Daniel Léger, qui est un explorateur qui a peur de rien et qui va nous parler de son métier d'océanographe. Bon. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci à Mathieu d'avoir pensé à m'inviter. Oublie pas les requins blancs, hein? Non, 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 mais c'est sûr. C'est eux qui m'oublieront pas, hein? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'océanographe, on est souvent confronté à des espèces marines pas toujours amicales, comme les requins blancs. Et concrètement, là, est-ce que ça veut dire que tu frôles la mort à tous les jours? Non, 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 non. Bon, regardez bien, là. C'est sûr qu'en Australie méridionale, il y a des êtres humains qui ont été dévorés et tués par des requins blancs. Mais moi, je pense pas à ça tous les jours avant de plonger, là. D'ailleurs, moi, je préférerais mourir dévoré par un requin blanc en Australie qu'écrasé par un camion vidange dans une ruelle. Hein? Le paysage est plus intéressant, puis l'odeur aussi. C'est sûr qu'un calmar de 60 mètres, ça fait peur, hein? Hé, oh, Mathieu, non, non, non. Le plus gros calmar qu'on a repêché mesurait 14 mètres. Oui, mais est-ce que c'est possible qu'il y en ait des plus gros? C'est pas impossible, Mathieu. Bon, alors, dernière question. Marianne? Ma question, c'est pour mon magazine Gamine. Mm-hmm. Pourquoi avez-vous choisi les sèches géantes comme sujet de recherche au lieu de, je sais pas moi, ben, les chimpanzés, par exemple? Ben, d'abord parce que je suis océanographe.